c'est parti pour un nouveau vide-grenier, j'ai un peu la tête dans le... Mais c'est pas grave, ça s'annonce avec beaucoup de concurrence, donc il faut y aller. Bienvenue pour ce 5e épisode. Bonjour. On est combien les DVD? Bonjour. On est ça combien les jours? Erwan, combien tu vends tes... Bonjour. Bonjour. Allez, quel est ça? Vous vendez ça combien? 50 centimes. Ça va. 5 plus de 4. Ouais, ça va. Merci. Et bonjour. Ça c'est vieux maintenant, c'est culte. Ah, là, c'est culte. Bonjour. Monsieur, vendez combien les FF Star Wars? Il n'y a pas de prix, ouais, je peux. Celui-là, il fait 15. Ça marche. Merci. Autrement, j'en ai en unité. Ah oui. C'est bon. Et du coup, à l'unité, vous les vendez combien? 1,50€. Ça marche. Pour le compte rendu de ces deux vide-greniers de la journée du 17 avril. Vous vous en doutez hein, sûrement vu la miniature et vu le petit live, je n'ai pas trouvé grand chose. Je pense que c'est dû au fait que je devienne assez exigeant. Parce que voilà, c'est vrai que maintenant quand je vois des DVD, je vais pas forcément les prendre. Surtout en plus s'ils sont abîmés et tout ça. Voilà, à part si c'est du ciné, etc. J'ai fait deux vide-greniers aujourd'hui. Un qui était vraiment très très bien avec beaucoup de monde et tout, c'était vraiment très sympa. J'ai pu trouver d'ailleurs des petites choses et un autre vraiment qui était pourri. Voilà, il y avait quoi? Il y avait peut-être 100 personnes alors qu'ils annonçaient 400. Et voilà, vraiment que des trucs très sales. Voilà, c'est voilà, au moins c'était un vide-grenier, mais voilà, c'était vraiment un vide-grenier dégueulasse. Du coup, vous l'avez vu dans la miniature, je reviens quand même avec deux petites choses, hein, c'est quand même... assez sympa. J'ai trouvé pour 1€ un jeu de PC qui a marqué mon enfance. C'est un petit jeu que j'avais eu à l'époque avec Coca. C'est vraiment un jeu voilà, qui me faisait hyper peur. J'ai jamais réussi à finir ce jeu. Voilà, et puis je l'ai vu, bon, 1€, je me suis dit, je vais le prendre. Je pense que bon nombre d'entre vous le connaissent. C'est le jeu Heart of Darkness. Voilà, donc dans une édition collector. Bon, voilà, hein, c'est juste ça de collector. Je sais pas si voilà, il y a juste ce CD là ou si c'était dans un coffret. En tout cas voilà, 1€ le petit jeu. Bon, je trouve que c'est quand même sympa. Et pour 1€ également, un bon CD qui vient trôner dans la collection James Bond. Et ça vraiment, j'en suis très content. Ça fait vraiment plaisir voilà, de se lever, de trouver des trucs comme ça. Parce que voilà, la semaine dernière, j'étais quand même très dégoûté. J'ai donc trouvé la bande originale de L'Espion qui m'aimait. Donc en très bon état, hein, donc avec 11 titres. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, moi je trouve pour 1€ un petit CD comme ça, bah, je trouve ça sympa. Du coup, voilà les seuls achats de cette journée vide-grenier. Je suis quand même assez déçu hein, parce que je vous ai habitué à beaucoup, beaucoup mieux ces temps-ci. La semaine prochaine, on se retrouvera de toute façon pour un vide-grenier sur Rennes, un gros vide-grenier. Et voilà, du coup, je pense pouvoir quand même faire beaucoup d'achats. De toute façon, restez bien jusqu'à la fin, vous aurez des petites images inédites de ce vide-grenier. Bon, voilà, en tout cas, moi, j'espère que vous avez fait des bonnes affaires, en tout cas, plus que moi. Voilà, j'espère que vous allez passer aussi une bonne journée ou un bon week-end, si vous regardez cette vidéo pendant le week-end.
Surtout, surtout, portez-vous bien. Ciao. Bonjour. Bonjour. On est combien les DVD? Lequel? Transformers. T'as vu qu'il y a des... Ouais. Ouais. Et les Blu-ray? Alors Blu-ray, sur la 4 et 4. Et il a combien? Il a 5 euros. C'est un Blu-ray. Il a 5. Bonjour. Bonjour. Vous en avez combien les Skylanders? Les Skylanders, c'est 20 euros le tout. D'accord. Si tu vends à l'unité, juste pour savoir. Non, mais on peut séparer. Hein. Juste ouais. Quoi? Attends, tu juste les figurines. Ça va être pour savoir combien tu les vendrais. 1,50€, tous 1,50€. Celui-là, il est mignon et celui-là, il est géant. Ouais. Donc, celui-là, 2€. Ça marche.